Et salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 de Minecraft Hardcore, un nouveau monde. J'ai un petit peu avancé en solo, vite fait quand même, parce que oui, je compte pas tout faire en vidéo. Pour tout ce qui est build, farm et tout, je vais pas vous le montrer, ça sert à rien. Donc comme vous voyez, voilà, j'ai rajouté des petits fours, j'ai trouvé un lac de lave pour faire une table d'enchantement. J'ai un petit peu avancé le coin à bibliothèque. J'ai réussi à enchanter déjà ma pioche. Vous voyez que je suis déjà niveau 43. Alors comment ça se fait? J'ai fait des usines à XP, comme je vous ai dit. Je les ai gardés et là, paf, j'arrive là où il y a mes squelettes, je tape des squelettes, usine à XP, zombie aussi, vous voyez, bon là c'est très sombre, mais parce que je les tape, voilà, zombie, et ça me fait monter les levels, voilà tout simplement. Donc je fais comme ça, et j'attendais pour enchanter d'autres choses, parce que je vais pas tout enchanter sans vous non plus. J'ai un poil à explorer aussi, le mineshaft qu'il y avait en dessous de moi, rien de fou, on a juste trouvé quelques minéraux en plus. Bah, rien de démentiel. Et j'avais fait une autre usine à XP aussi. On voit les araignées, paf, allez. Je vais laisser spawn tranquillement. Et j'ai beaucoup, beaucoup exploré le mineshaft à partir d'ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques fours établis, coffres, la base, voilà. Bref, donc ça c'est pour le côté farming de minéraux, de matières précieuses, on va dire. J'ai quand même 15 blocs de diamants. Ça fait 15 fois 9 parce qu'il y a 9 diamants dans un bloc. Il y a pas mal de, voilà, il y a pas mal de trucs, hein, vous pouvez voir. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Ici, bon, il n'y a rien de particulier. J'ai un petit peu arrangé la base aussi. Vous voyez, là, il y a tous mes fours. Donc, je me mets ici. J'ai accès aux minerais. J'ai accès aux matières premières. J'ai accès aux matières pour améliorer le stuff qui se trouve ici. On peut réparer. Voilà, le stuff qui se trouve ici. J'ai mes fours. Mon repair bench que j'ai récupéré dans la base, qu'on a attaqué ensemble. Et ici, deux petits coffres avec les livres qu'on trouve pour essayer de voir cette histoire. Mais c'est pas tout. J'ai fait un petit peu de cosmétique aussi à l'extérieur pour améliorer le visuel extérieur et pour jouer RP, il faut qu'on soit caché. Et voilà ce que ça donne. Voilà. J'ai mis des camouflages au-dessus de mes champs et au-dessus de mes élevages. Donc j'ai repris des moutons, voilà. Ouais, ils sont pas super à l'aise. Hein. Ils sont un peu serrés, mais ça va. Ça va, ils vont bien. Donc je les tonte de temps en temps, voilà. Mes chèvres. Tac. Ouais, elles sont un peu plus nombreuses. Voilà. Il y en a quand même pas mal de chèvres. C'est plutôt sympa. J'ai pris des vaches aussi. Je vais chercher des vaches. Voilà, petite vache. Sympathique. Et là, il va vraiment faire nuit. Donc, je vais aller me coucher. Je vais juste vous montrer un dernier truc. Vite fait. Avant que ça parte en cacahuète. Là, j'ai fait un autre champ de blé. Voilà, pourquoi c'est orange ici? J'ai fait un autre champ de blé. Voilà. Bon, on voit quasiment plus rien. Donc là, objectif. Enchanter son stuff. Et se faire un sac à dos plus grand pour commencer avant de partir en exploration. Parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à looter. Donc, bah, il faut avoir la place. Ouais, j'ai besoin de cuir. J'ai besoin de cuir en bas, là. Donc, bah écoutez. Ceux qui aiment les animaux, passez. Passez cet extrait parce que ça va être très dur. Alors, ouais, c'était un peu dur, ah, mais bon, écoutez, ça va nous permettre de bouffer un coup. Est-ce que je peux faire des enchantes max, là? Je sais pas, niveau enchantement, je connais pas trop, en vrai. Alors, si je fais ça, et ça, 30, oh, butin 3, tranchant 4, butin 3, elle est super, cette épée. On va mettre un petit peu plus de solidité, mais ça va, dans l'ensemble, c'est cool. Ma pioche, efficacité 3, solidité 3, fortune 2, elle est exceptionnelle, cette pioche. Et là, ce qu'on va faire, maintenant, c'est le sac, hein. Ok, paf, et là ça me fait un médium. Ok, alors un médium, et deux médiums. Et là j'ai un large backpack. Regardez la différence, small backpack, il y a ça, comme place. Large backpack. On peut s'en mettre des trucs dedans, je pensais pas que c'était si gros d'ailleurs. C'est vraiment énorme, bon c'est super bien. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer la côte. Par ici, voilà, en passant par l'ouest de l'île. Et on va atteindre la seconde île plus au sud. On va essayer d'explorer un maximum pour voir et comprendre toujours ce qui se passe sur cette île. Mais avant ça, on va dormir parce que
Bah, tout simplement, il fait nuit. Et la nuit, chance de survie, zéro. Bon, ça y est, je suis enfin au sud de l'île. Et on va enfin partir en exploration. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? Pour l'instant, on a vu qu'il y avait des dinosaures. D'ailleurs, il y en a un peu partout autour de moi. Qu'il y avait des militaires. Et qu'il y avait des espèces de maisons avec des zombies à l'intérieur. Pour l'instant, c'est toutes les données que nous avons. Et on va faire une énorme exploration à partir de maintenant. Jusqu'à découvrir ce qui se passe sur cette île. Pourquoi on voulait nous assassiner quand même? Et je suis à peu près ici. Enfin, je suis même totalement ici sur l'île. Donc là, il n'y a plus rien à moi. On voit qu'il y a un tyrannosaure dans l'eau. Voilà. Les tyrannosaures, en vrai, ils me font très très peur. On voit qu'il y a aussi des dinosaures ici, des carnots, des machins... Oh putain, non, par contre si je meurs de chute, il y a des carnots je crois, ça a l'air d'être un carnot là-bas. Et là, ça a l'air d'être du raptor. Allez, dégage. Ok, Pousse. Bon, allez, bute. Ouais, non. Ouais, je l'ai défoncé, avec mon épée là. Paf, ça dégage. Eh, franchement, je crains rien avec cette épée. Trop forte, on va. Ça paraît être un peu cruel, mais. Hein? On va tuer tous. Quoique. Ouais, ça va, ils sont pas. En vrai, ils sont pas très forts. Bon, bref. Ouais, c'est vraiment un carnot, hein. Regardez ça. Yo, frérot. T'es agressif? Il a pas l'air agressif. Ah, si, il est agressif. Mais le bâtard. Ah, le bâtard quoi. Eh, vous êtes d'accord avec moi, c'était un carnot. Hein. Donc alors là, on voit qu'il y a une petite maison. Oh, il y a un T-Rex qui est à côté là. Quand même faire gaffe à tout ça. Hein. Et c'est plutôt de ce côté là. Ok. Donc on va partir par là. Allez. Zabadi. C'est quoi ça? Ah, il est connu lui. Comment il s'appelle? Protoceratops. Ah oui, Protoceratops. Désolé gros, c'était pas forcément une menace, mais... C'est pas grave. Alors... On y va, il va faire nuit. Terrible. Alors, bah écoutez, on va aller dans une maison, on va dormir dans une maison qui appartient à quelqu'un. Voilà, hein. Il y a comme un triceratops, ok. Le tyrannosaure, en vrai, j'ai vraiment pas confiance. J'ai peur qu'il soit super fort. J'ai même pas envie de l'approcher en fait. Oh, il y a quoi là? Il y a du monde ici là. T'es nul! Nul! Ok. What? Il est un flingue! Mais c'est ça là! Ça c'est un spawner ça! Ouais mais. D'accord mais. Si... Ah! Il est cassé! Ok, ça en fait spawn 4 à peu près, après ça disparaît. Ok, y'a quoi là? Poudre à canon, on prend, ça peut être intéressant, on prend tout de toute façon. Ok, il y a un livre. Alors on va se poser un petit peu ici. Ils abattent ceux qui se sont fait mordre. On a préféré fuir notre avant-poste pour se réfugier dans cette petite maison. Mais on s'est fait mordre. Ah, dommage. Ça n'est qu'une question de temps avant qu'on devienne comme eux. Bon, on a vu que... d'accord, c'est un peu la merde, il s'est fait mordre, mais il s'est fait mordre par quoi? C'est ça la grande question. Alors ici, c'est fait, d'accord. Ah, c'est fait. Un petit peu de stuff. Là, il y a une autre maison. On va y aller. J'entends la respiration du T-Rex, elle est effrayante. Aïe! Là par exemple le carnot. Là je peux pas le descendre, clairement pas. Clairement pas, si je me fais bolosser dans la maison. C'est quoi ça? Il y a un spino aussi? C'est quoi ça? What? Saloperie! Déjà des petits raptors, mais. Bon, le spino il est trop nul quoi, c'est abusé. Attendez, oh il y a du monde dans la maison là. What? Ils sont armés ici? Ok, bon c'est bloqué. Il y a quoi là? Dégage, ils sont plusieurs. Mais c'est un malade. Allez dégage. Mais... Dégage. Oh ils font trop mal, regardez ma vie quoi. Ils font trop mal. Dégage.
En vrai, c'est chaud. Hein. Oh, ok. Là, maintenant, il faut attaquer ici. Là, il y a un mec. Ok, bah, écoute. What? Oh, il tire fort. Lâche-moi. Mais c'est un malade. Est-ce que je me mettrais pas une pomme en or? J'ai aucun réflexe. Mais ouais, c'est ouf. Il est trop fort, lui. Je vais y aller à coup de calache, hein. Allez, vas-y, ça dégage. Voilà. Voilà le zombax. Tu veux quoi, en fait? J'ai plus de balles. Ah si, j'en ai encore. Ok, bon, écoutez, on va y aller à coup de calache, hein. Dégage. Ok, j'ai peur que ça respawn. J'ai du mal à sortir. Carache. Ok. J'ai encore des balles, ça va. La plaque de respawn a disparu. Ok, il y avait une petite prison ici. Ok, il doit y avoir. J'espère qu'il y a des balles, hein, en vrai. Donc de faire ici. Tac. On prend. Là aussi. Ouais, ça fait des ressources gratos, là, tant qu'à faire. J'entends encore un zombie, hein. Je crois qu'il est sur le toit. Ok. Et le calage, c'est fort quand même, hein. Ça fait pas un pli, quoi. C'est clair, c'est net. Alors, ok, bon, là... Ah, ils avaient une petite prison avec eux, on sait jamais, encore. Ouais, y a tellement de trucs. Ok, bon, on va tout prendre. On va lire le livre aussi. Je l'ai foutu où? Mais il reste que ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils nous ont envoyés dans un vrai bourbier. Des dinosaures, des créatures bizarres et des mercenaires. Et puis quoi encore? Des zombies? Mes gars et moi avons déserté. On va pas crever ici. Hors de question. Il faut juste qu'on s'empare d'un des porte-avions qui entoure l'île et on pourra s'éloigner de tout ce bordel. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Enfin, on verra bien. S'emparer d'un porte-avions, vous n'étiez pas assez armé, je pense. Hein. Hier soir, Willy s'est fait mordre par une drôle de bestiole. Il n'a pas l'air dans son état normal depuis. Okay. Mais quoi? Willy a mordu Kyle. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Willy et Kyle me regardent bizarrement avec leurs yeux rouges. Je crains fort que le porte-avions soit de l'histoire ancienne. Il faut que je me casse d'ici. Ok, bon, là, assez intéressant, là, quand même. On a appris qu'ils ont été envoyés ici, qu'il y a des zombies, qu'il y a des gens avec des yeux rouges. On a appris aussi quoi? On a appris qu'il y avait des drôles de bestioles, qu'il y avait des dinosaures. Ok, ça, on l'a vu, en effet. Ouais, on a appris quand même pas mal de choses. Ils voulaient se barrer. Ils voulaient se barrer d'ici, donc ça avance. Bon, on va dormir, on va continuer notre exploration. On va quand même faire un petit truc avant, parce que je remarque ça vite fait, mais les armes sont quand même ultra bien modélisées, non? Vous trouvez pas? Kalachnikov, fusil à pompe, petit pistolet, Colt. En vrai, ouais, c'est propre, hein. Le mode, il est super propre. Je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve quand même, pour du Minecraft, quand même, c'est plutôt propre. On va y aller à coup de fusil à pompe maintenant, on va tester, hein. En vrai, on va pas faire des économies, quand même. Alors, de ce côté-là, il y a plus rien, il y a la mer. Il y a quoi? Il y a des brachiosaures par ici, d'accord. Brachiosaures, on va les laisser pépouze, hein, c'est bon. Oh, c'est quoi ça? Il y a un truc là. What? Un spino. Oh, le spino, ça dégage. Pourquoi j'ai pas beaucoup de balles? Il y a du zombar, ça. Le zombar, ça dégage. Mais oui, mais il est trop bien le fusil à pompe. Ah, par contre, en vrai, il me faudrait mon épée quand même. Y'a quoi ici? Y'a rien? What? Traquenard! Oh, ça explose! Ouais, oh, il a explosé en 1000 morceaux le zombar. Oh, y'a une maison là. On va y aller. Hein. Brachiosaur, Gallimimus, un peu partout. Ok. Très bien. Compi. Paf! Sur les plages, on sait ce que vous faites sur les plages. Vous mangez les petites filles. Alors, qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce qu'on va trouver comme horreur? Du zombar. Du zombax max. Tu veux quoi, moi, aller de travers, toi? Je t'ai vu, hein. Avec tes yeux rouges.
Voilà. Il est tout seul? What? Il a un flingue. Wouah, hey, oh, c'est des malades. Y'a quoi là? Y'en a un autre. C'est ouf. C'est fini? Ouais, faut que je vérifie quand même. Les spawners, ok. Bon, y'a du bon stuff, y'a du bon stuff. Ça, je sais pas trop ce que c'est, un diamant, ok. Livre. C'est quand même incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, ces tarés d'Ingen. Dommage que tout est foiré. S'il y a l'armée et tout, ouais, c'est que c'est pas terrible hein, ce qui s'est passé. Ok, ouais, non, après tout ce qui est vers là, je l'ai fait. Toi là, paf. Voilà, c'est gratuit. Et du coup, bah là, il y a une nouvelle maison, tiens. Voilà. Allez, voilà, ça part. Oh, T-Rex. Un bon T-Rex. Et là, une maison. Il y a du zombard à l'intérieur. Attends, mais il y a le tyrannosaure là. Elle est où la porte d'entrée? Elle est derrière l'arbre, ok. Rentrez par là. Ouais, c'est le chaos quoi. En vrai, tant qu'ils ont pas des flingues, ça va, ils sont vachement gérables. Ok, bon, c'est fini. En vrai, ça va, c'est facile. Quand même pas trop compliqué. Par contre, arrête de gueuler, arrêtez de gueuler tous. Alors, y'a quoi? Ok. Du bon stuff, le livre, le petit livre. Alors le livre il nous raconte quoi? Ils sont là, ils sont partout, dans les champs, dans les forêts, dans les grottes. Ok, c'est pas très productif tout ça. Mais bon, ok, bah on sait, ils sont partout. Non, j'ai fait mon lit. On a nettoyé la zone on va dire. Mais il y en a partout des compis, hein, c'est incroyable. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai une haine contre les compis comme ça. Parfois, y a encore un truc là. Juste à côté. C'est juste ici. Oh, c'est cassé ici. Oh, il a un flingue lui. What? Oui. Oui, il dégaine rapidement. Bon, attends. On va prendre en vrai, on va pas prendre de risque. On est quand même en hardcore. Hein. Dans l'eau, je suis pas fan. Hein. Bon après, là, quand il y a des épées, on va économiser les balles quand même. Voilà, là, c'est facile à tuer ça. Il a quoi là? T'as une pioche, t'es nul. Allez, loser. Ok, il y en avait un autre. Là. Voilà, les zombards. Allez, ça dégage. Allez, quoi là? Ok. Une petite perle de l'Ender, ok, et un livre, comme d'hab. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai trouvé cette petite bicoque abandonnée pendant la nuit. Je ne crois pas qu'il m'ait suivi. Maintenant, Willy et Kyle ne sont plus eux-mêmes. S'ils viennent ici, je n'hésiterai pas. L'armée a fait un raid aujourd'hui, ils ont explosé notre maison. Nous sommes à la merci de n'importe quelle bestiole maintenant. Plus aucun espoir. Si j'avais su, je n'aurais pas venu. Ok. D'accord. Donc, ok, il avait des potes. Willy et Kyle... qui sont morts, lui il est parti, il a essayé de fuir ici, il s'est fait rattraper par l'armée, il s'est fait flinguer. Enfin sa maison en tout cas. Ça je l'ai fait ou pas? Je sais pas. Je vais y aller. Il y a quoi ici là? Et il commence à faire nuit par contre. Non non, j'ai pas fait ça. Ok, vas-y, spawnez les autres. Vous êtes où? Ils attendent que je me tourne. Oh, t'es, il avait un flingue en plus, quoi. Il y en a encore un qui va arriver. Hein. Ouais, il est arrivé. Oh, non, je suis coincé, là. Paf. Allez, le 3-6 avec l'épée. Ok. Bon, bah, écoutez, ça nettoie en balle. Ok. Truc intéressant. Toujours le petit livre. Asi, c'est la D, ici. Ok. D'accord. Bon bah c'est, ouais, c'est vrai que c'est un peu la dé. T'as pas tort mon pote. Mais en fait tous ces mecs là, j'ai l'impression que c'est genre c'est des déserteurs un peu de l'armée. Enfin, peut-être qu'ils auraient pas dû. Ok, là je crois qu'on rigole plus. Hein. Là ça, on est passé à l'offensive contre cette espèce d'armée qui m'a l'air corrompue. Il nous reste une bonne partie à explorer. On va pas tout faire en un seul épisode évidemment. Vous savez très bien ce qui va se passer maintenant. Bah c'est la fin de l'épisode hein, tout simplement.
C'est tout. Ouais, c'est juste la fin de l'épisode. Et on ira continuer à explorer, à mener notre enquête, à savoir pourquoi on voulait nous assassiner dans le prochain épisode. J'espère que vous kiffez toujours. Donc si c'est le cas, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le commentaire pour dire ce que vous pensez de cette série. Si vous voulez me donner des indications à suivre, c'est à peu près tout. Donc tout ce qui me reste à vous dire, c'est tout le monde.